Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou, et oh bordel, c'est quoi cette merde? J'avais dit que j'en avais fini avec ces catastrophes ambulantes qu'est écarlate et violet, mais là... Là... Non mais vous avez fumé quoi, Game Freak? Non seulement vous passez à côté d'un excellent scénario dans le masque turquoise expliquant pourquoi Cassis a pu réveiller les Adoramis et expliquer convenablement son changement de personnalité d'un coup par de la possession de Pechaminus, mais en plus, vous décidez de quand même partir sur l'idée de la possession pour l'exploiter comme ça? Putain, un Pokémon avec un potentiel dingue avec ce qu'ils avaient entamé sur la légende de Momotaro se retrouve juste à être une simple pêche qui force les gens à manger des mochis toxiques pour les faire danser? Là, c'en est trop pour moi. Moins un sur la note, je me casse.